Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo des Carnets du Parvis. On se retrouve de nouveau avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour Adela. Ça va bien ? Oui, ça va toujours. Donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter du nouveau livre Le Monde sans être du monde. Donc toi qui l'as lu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la signification déjà de ce titre-là ? C'est une parole tirée de l'évangile de Jean. Bon, les chrétiens, on suit une religion qui a des préceptes, qui a une certaine transcendance, et donc qui essaye d'atteindre ces idéaux-là. Mais en même temps, cette religion-là est très incarnée, elle se situe dans un monde très précis, notre monde. Mm-hmm. Et donc les chrétiens sont toujours un peu entre deux chaises, dans le monde, sans être du monde. Ok, donc ça parle vraiment du monde actuel, tout en ayant cet aspect... biblique, chrétien, et savoir comment composer entre les deux mondes, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est l'auteur Michel Guiton est un prêtre qui fait de l'évangélisation directe. Il va voir les gens dans la rue pour leur parler du christianisme. Donc, il essaie vraiment d'incarner les valeurs chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui. Donc, pour qu'il aide les chrétiens finalement à assumer tous les articles de la foi dans un monde, dans un monde contemporain où est-ce qu'on a des gens qui ont différentes religions, qui ont différentes façons de penser. D'accord, ok, très intéressant. Donc si vous aussi vous vous retrouvez questionné dans votre vie par rapport à vos croyances et votre foi, à la vie dans laquelle on évolue tous ensemble actuellement, je vous conseille de retrouver ce livre sur notre boutique en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube des Carnets du Parvis. Merci.